Bon, ben let's go. Du coup, on va aller ben là le camp des réfugiés. Non, bon, Sylvarden, au départ, mauvaise impression, mais en fait, c'est... Non, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et ça me fait penser un petit peu... Le territoire me fait penser un petit peu à... À Ombre-Lune, mais Ombre-Lune dans la version Draenor. Ok. Bon, je dois juste couper une toute petite minute et on se retrouve. Juste une minute. Bien, donc ok. On est parti. Et donc on va partir pour Ravendreff après. Quel est votre dessin? Ok. C'est en Ravendreff que l'on trouve les plus grands spécialistes en matière d'extraction d'anima. Peut-être pourrions-nous aider là. Peut-être pourront-ils nous aider là où d'autres ont échoué. Sachez qu'il arrive que des âmes en reviennent. Elles ne sont plus jamais les mêmes. C'est un royaume de ténèbres où l'on envoie expier leurs fautes. Ceux que l'arbitre juge dignes d'une seconde chance, cela dit, leur périple n'est pas des plus aisés. Retrouver Kashyr à l'anneau de transfert. Il vous aidera à ouvrir le passage menant à Ravendreff. Votre chemin est tracé. Donc c'est le purgatoire, Ravendreff. Parce qu'on ce que les chrétiens appellent le purgatoire.
Ouais, ça charge. Bon. Ah d'accord, ok. J'ai le décor qui n'a pas entièrement fini. Ok. Oh, une nouvelle âme. Je n'en avais plus vu depuis un moment. Cette âme-là a l'air un peu bizarre. Je crois qu'elle est encore vivante. Sois un peu tolérant. Chère âme damnée, bienvenue à Ravendress, votre ultime espoir de rédemption. Suivez-nous. Nous allons nous occuper de vous. Je donnerai un œil pour voyager comme vous, mais pas le mien. Ah putain, d'accord, ok. J'ai de la comprendre. Je mets une option sur vos chaussures pour quand vous vous serez fait bouffer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous sortez du lot. En temps normal, seuls les morts arrivent jusqu'ici. Enfin bref, le vice reste le vice. Et la pierre reste la pierre. Occupons-nous plutôt de votre stèle du vice par ici, je vous prie. La stèle du vice. Faites quand même attention, vous qui venez d'arriver. Sachez que cet endroit est voué au tourment et à l'expiation. Mais ne vous inquiétez pas. Il existe un chemin menant au salut, comme le montrent ces nombreuses stèles du vice. Chacune de ces stèles représente une âme arrivée ici, et qui s'est épurée de ses péchés, jusqu'à gagner le droit de repartir ou d'incarner un Fentyr. Et c'est quoi un Fentyr? J'ai jamais entendu parler. Bon. Jadis, j'avais la puissance et la gloire. Ces tourments cesseront-ils un jour? C'est au maître que revient le jugement dernier. Lui qui règne sur Evendress. C'est lui qui exalte les âmes pour en faire des Fentyrs, les persécuteurs et dévoreurs du péché. Sire Danatrius, maître de Ravendreth, roi des Fentyrs, le premier sang, commandant de Stormborn, le Fang, je ne sais pas ce que ça veut dire, de Shadowland. Je sais pas ce que ça veut dire whip. Enfin, whip. Whip pour moi c'est le fouet. Behold his greatness and whip. Donc peut-être. Apprécier peut-être son bon côté et les moins bons. À mon avis, ça doit être dans ce sens-là. Pour obtenir sa grâce. Et qu'il voit à travers vous votre existence. En gros, c'est ça. Bon, bref, oui, ok. Il s'en trouve toujours qui refusent le dur labeur menant à la rédemption. Ou qui n'acceptent pas leur stèle du vice. Ou qui sont des moutons noirs, tout simplement. Eux se font expulser. C'est un aller simple pour l'antre. Prenez cette pauvre âme, par exemple. Pour lui, c'est le dernier avertissement. Il refuse carrément d'admettre qu'il a fait quelque chose de mal. Il se prend toujours pour quelqu'un d'important.
Écoutez bien mes paroles. Cette dame est en simple visite. Laissez-la. Faites attention à vos manières. Le grand chambellan est là. Cet endroit misérable est indigne de moi. On dit que vous avez rencontré le maître. Il vous a parlé de moi. Partez d'ici, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Bon, ok. Donc Ravendress, ça a l'air d'être un gros sophisme du faux dilemme, en fait. C'est soit tu te soumets, on torture à mort, et tu as une chance de peut-être un jour sortir. Soit tu pars directement pour l'antre, où tu es sûr de subir un enfer éternel. Tu parles d'un faux dilemme. Non, enfin. Puis-je vous aider ? Ne prêtez pas attention à ces rumeurs de révolte. Voilà. C'est à ça que je pensais, en disant faux dilemme. Bah oui, il y a toujours la moyen, c'est de s'organiser et se révolter. Mais il y a une troisième voie possible, quoi, qui n'est pas présentée. L'illustre sire Donatrius, maître de Ravendreff, le roi de Vantyr, m'a chargé, moi, un fidèle chambellan, de vous escorter jusqu'à ses jardins personnels. C'est un honneur qu'aucun mortel n'avait encore connu. Vous pouvez vous estimer heureux. Allons, la calèche vous attend. Nous allons nous rendre au château en grande pompe. Prenez la calèche de Sombre Havre. Venez sans entrave. Quittons cet endroit. Eh ben, c'est étonnant. Contrairement aux autres mondes où on galère à mort pour rencontrer le maître des lieux, là, il nous invite directement chez lui. Let's go. Vous aurez sans doute entendu parler de la pénurie d'animaux qui frappe notre réalité. Nous ferons face à ces difficultés avec dignité et unis sous la bannière du maître. Ravendress est inébranlable. Grand chambellan, il y a un sacré raffut plus loin. On dirait bien une baston. Ah, des rebelles. Contournez-les ou passez-leur dessus. Jamais ils n'oseraient. Au nom du maître, que se passe-t-il encore ? Cet homme mortel ne deviendra pas elle aussi une marionnette du maître. Il est votre maître à vous aussi, sale traître. Relâchez-nous immédiatement. À vos ordres, grand chambellan. Ah, zut. Ah, le téléphone. Bon, excusez-moi, hop. Allez. Soyez
voyez donc un roc d'amour. Ça n'est pas très mal. Chaque fois qu'un des gars descend là-dedans, on n'en entend plus jamais parler. Rien ni personne ne revient de ces profondeurs. Voilà ce que je vous propose sans entrave. Vous allez récupérer Ferrel, le grand chambellan. Moi, je me charge de rattraper cette calèche. Ensuite, je pourrai... Bon, vous allez retrouver les autres. Et moi, je m'occupe de retaper la calèche. Essayez de ne pas vous faire bouffer. Histoire d'être tranquille, hein, mais bon. Cette pénurie va nous avoir jusqu'au dernier. Ça, par contre, c'est con de nous... de nous mettre un élite juste là où on tombe quoi. Bon, en plus il loot rien. Mortel, par ici. Manifestement, vous savez qui est la meilleure. Tiens donc, Immortel en Ravendreff, eh ben vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer. Appelez-moi Nadja, la lame fantôme. Sans vouloir me vanter, je suis la meilleure dueliste à avoir jamais manié l'épée. Le piège dans lequel vous m'avez trouvé m'a servi de leçon. La prochaine fois, je me ferai payer à l'avance. Délivrez-moi. Et je m'engage à mettre ma lame à votre service, du moins tant que vous vous en montrerez digne. Alors qu'en dites-vous? Allez, c'est parti. La lame n'est qu'un outil. C'est dans la main qui la tient que oui. Le génie. Enfin libre. Venez, cher ami. Assassinons quelque chose. N'importe quoi. Ouais, alors on a... Allez, vas-y, prête-toi ça. Mais c'est qu'il régène en plus, l'enfoiré. Les dévoreurs. Ils rongent les fondations de notre monde. Je n'en avais jamais vu autant d'un coup. Je veux pas qu'on mange. Je dois d'abord choisir une cible. Je n'ai pas de cible. Bon, ok. Bon, allez. Est-ce qu'on se tente le mange-monde? Non, on va faire des petits mobs. On va faire des petits mobs parce que sinon...
59%. C'est chiant qu'ils régènent ceux-là. Je suis hors. Les manifestations de la rage, ça va, ils sont pas. Oui, ils régènent pas, ils sont pas compliqués. Emmenez-moi avec vous. Élégante comme Mac Terrigan, agile comme la Comanche. Bien. Nous avons donc une alliée. Sa présence. Et de quel cage vous a donc sorti notre sans entrave ? Oh, vous commencez à me connaître. À chaque âge suffit sa cage. Je sers le maître. Tous ces ondits sur une pénurie sont terriblement exagérés. Bienvenue en Ravendress. C'est bon, donc on retourne au point de départ.
Vous éloignez pas de moi. Vous connaissez peut-être le danger, mais moi je connais Ravenpress. Pour l'heure, nos chemins doivent se séparer. La vengeance m'appelle. J'espère vous revoir. D'ici là, tâchez de ne pas mourir. Restez sur vos gardes. Il se peut que Draven et ses sbires rôdent encore alentour. Draven est l'un des rares chefs encore actifs d'une révolte avortée. Il est des félons ventirs et des vives pierres qui tiennent le maître pour responsable de la pénurie d'anima. Les hérétiques. Venez, continuons à vivre. On se lasse de se faire jeter des falaises. Sire Denatrius a hâte que je vous présente à lui. Rebelles sur la route. C'est inacceptable, les rebelles vive-pierre ont attaqué un convoi destiné au haut percepteur, le moissonneur qui administre cette et qui administre sa province. Nous allons devoir nous tirer de ce mauvais pas. Le pont qui se trouve derrière les lignes ennemies mène à sombre havre un bataillon de la Légion de Pierre au service du maître. Y est cantonné en permanence. Dégagez-nous le passage sans entrave et tuez quiconque osera se mettre en travers de notre chemin. On ne fait pas attendre Sire Denatrius. 5 rebelles. Oh, j'avais une bague, tiens. Hop. Il y avait cette bague là à mettre là. À la place de celle-là, j'avais dit. Ravendress avance avec détermination. Voilà, c'est mieux. Je sers le maître. Alors, plus qu'un simple raid mené par quelques pillards ou contestataires, cette attaque coordonnée visait à dérober l'anima transporté par le convoi. C'est la dîme du maître qui est en jeu. Et en ces temps de pénurie, nous ne pouvons laisser ces vagabonds et mécréants voler notre anima si durement gagné. Récupérez la dîme si vous le pouvez, et je veillerai à ce que votre réputation s'en ressente. Vous là, le moche, conduisez la calèche dans une autre direction pour faire diversion. Cher mortel, il vaudrait mieux nous séparer pour ne pas offrir une cible trop facile. Tâchez de ne pas mourir. Ne prêtez pas attention à ces rumeurs de révolte. Là, c'est coriace, hein. Non mais les PNJ ont décidé de s'en prendre à mon marcheur.
Je vais récupérer la cuve et je buterai sur le retour. Ils sont par là, du coup voilà, celui-là très bien, parfait, voilà, on a les deux qui nous manquent. Denatrius a hâte que je vous présente à lui. Faites confiance au plan du maître. Ravendress avance avec détermination. Dans l'autre côté de ce pont se dresse le hameau de Sombrave, une place forte tenue par les fidèles de Sire Denatrius. Ces rebelles se... de pacotille n'oseront jamais s'en approcher, mais encore faut-il que nous parvenions à l'atteindre. Je me charge de porter et Anima, quant à vous, veillez à ce que personne ne nous renvoie dans les marais de l'Afre. Escortez le grand chambellan jusqu'à Sombre Havre. Ah. Bienvenue en Ravendress. Comment j'y accède? Laisse vraiment entrer n'importe qui ici. Aucun sens des convenances. Au moins, au château, il y a une sélection très stricte. Puis-je vous aider? Ne prêtez pas attention à ces rumeurs. La Légion de Pierre n'est pas encore arrivée. Oh merde! Oh, mon marcheur, il fait chier pour ça. Allez, c'est quoi ce merdier? Je peux pas les buter? Bon. Sire Denatrius a hâte que je vous présente à lui. Les vives pierres sont normalement d'une loyauté extrême. Les rebelles se sont laissés séduire par des belles paroles et des mensonges. J'arrive pas à les buter. C'est... ça va être chiant.
Mais ils me font pas de dégâts en même temps. Ça va être relou. Il refuse de me lâcher. Hein. Salut! Pas un mot, patron, sur notre petit. Non, mais elles sont où leur cage d'animal? Ah, attendez. Ah, là-bas, d'accord. J'avais pas compris, ok. Mais en même temps, j'ai pas eu le temps de lire la quête parce que j'ai cru que j'étais attaqué. On va peut-être la lire. La légende de pierre n'est pas encore arrivée, c'est inacceptable. Si nous ne réagissons pas rapidement, les rebelles vont envahir ce trou à rats. Tenez, prenez l'anima et allez activer quelques-uns des vives pierres. Posté à la périphérie de Sombre Havre. Quant au reste, vous l'apporterez à l'intendante et vous lui donnerez, vous lui direz de faire son travail. Pour ma part, je vais tenter de communiquer avec le maître pour voir s'il peut nous envoyer des renforts. Okay. Pour la gloire de Revendreth. J'obéis. Ah, ici je peux les buter. Ah. Oh. Ok, je devais les tuer dans une certaine zone et qui n'était pas affichée en fait. Bon. Ah d'accord, ok. Bon bah je le saurai, faut éviter les chariots. Assez de vos excuses. Si le maître ne reçoit pas son tribut d'anima, je m'assurerai que tous les habitants de ce misérable hameau soient exilés à la province des Braises.
Approchez donc. Allez en paix. Nous vivons des temps bien étranges. Chaque jour, la contribution que nous devons verser aux percepteurs augmente et notre capacité à collecter de l'anima diminue. Les rares âmes dont nous disposons ici sont proches de leur jugement final et nous manquons de ressources pour les exploiter sans mettre en péril la sécurité du hameau. Vous qui avez l'oreille du grand chambrelin, vous parviendrez peut-être à transmettre un message au maître lui-même. Tenez, prenez cette lettre et remettez-la au chambrelin. Puissiez-vous vous élever toujours plus haut. Bienvenue en Ravendress. Tout s'est rondi sur une pénurie. Terriblement exagéré. Mes troupes ont le contrôle du ciel. Nous menons la danse. Permettez que je me présente sans entrave. Je suis le général Kal et les vives pierres restées fidèles à leur serment envers le maître sont placées sous mon commandement. Mes troupes ne protègent plus le chemin qui mène à Sir Danatrius depuis qu'elles ont été envoyées en mission ailleurs. C'est pourquoi notre seigneur m'a chargé de vous escorter jusqu'à lui. Miskia vous y portera. Allez voir Sir Danatrius. La rébellion est déjà morte. Retour vers le vide. Arrêtez de retenir le couperet. Laissez mes troupes écraser Draven et ses félons. Draven n'est pas le problème. Le prince est vaincu et la rébellion est en déroute. L'accusatrice reste la seule donneuse d'ordre. L'accusatrice? Elle a toujours le médaillon d'un moissonneur. Comment faire pour la vaincre? Maintenant, vous savez pourquoi il nous faut l'âme sans entrave vivante. C'est moi la... Ah d'accord, c'est moi le sans-entrave, c'est ça? Ok. Ah. Je sers le maître. Mes enfants, je sais la souffrance que vous avez endurée. Je crains que d'autres sacrifices s'imposent si nous voulons que Ravendress survive à cette crise. J'implore votre pardon. Avec votre permission, je vous présente l'âme sans entrave. Ah, l'âme mortelle qui s'est échappée d'une prison de haute sécurité. Une âme vivante redonnant espoir aux royaumes éternels. Je sais que vous avez une demande urgente d'anima, cher sans entrave. En temps normal, j'aurais été heureux de vous aider. Malheureusement, vous tombez au plus fort d'une violente révolte. La pression sur nos réserves est terrible. Cette pénurie a plongé les miens dans le désespoir, dans la famine, et même, pour certains, à la rébellion. Mais si vous vous joignez à notre cause, je vous apporterai avec joie l'aide que vous demandez. J'ai totalement confiance en ce mec. Ah, bordel.
Ah, je sais pas ce qu'il a, il y a un truc dans son visage, ça. Ça inspire confiance, hein, c'est. Ouais. Ouais. Ah, MDG Normand, noble elfe de sang. Je connais votre nom et votre histoire. Démoniste. Putain, et alors là, ils se sont fait chier dans le texte à mettre ma race, ma classe. Et quand même. Et je sens d'ici vos regrets et votre plus grande honte. Ouah, ça va. Plus important encore, je sais ce que vous pourriez devenir, une bannière de ralliement pour l'ombre terre tout entière, le symbole dont les miens ont besoin pour mettre de côté leurs différends et continuer à résoudre les problèmes qui affectent la réalité dans son ensemble. Devant vous se tient la cour des moissonneurs, mes plus fidèles et dévoués Ventir. Là où ils étaient encore 7 il y a peu, ils ne sont plus que 4 aujourd'hui. Faites connaissance avec eux, car où ils aillent, mon pouvoir les accompagne. Acceptez la faveur du maître. Alors, parlons. Revenez vite. Faites très attention à ce que vous allez dire. Alors, désir, colère, effroi. Votre père. Et envie. Quel instrument fascinant. Combien en voulez-vous ? Avancez-vous sans entrave. Je vais vous offrir un aperçu du pouvoir que peut apporter Revendreth. Ventir de Revendreth. Donnez-moi votre attention. Cette âme, fraîchement arrivée, est mon invité, avec tous les droits et privilèges afférents. Oh, c'est quoi ça? Catastrophe imminente. Vous invoquez un nuage d'anima chaotique qui se dirige vers l'ennemi ciblé et inflige 270 points de dégâts d'ombre aux ennemis sur sa trajectoire. Atteint la cible, le nuage explose, applique malédiction de faiblesse ou malédiction de langage. Donc pour moi c'est faiblesse. Puis inflige 1856 points de dégâts d'ombre en 12 secondes aux ennemis proches. Je vais tester ça. Grand Chambellan, je vous charge de mettre fin à cette rébellion avortée. Et pour vous y aider, je vous confie le médaillon du prince Rénatal, ainsi que la force de notre cher... Sans entrave. Ramenez-moi l'accusatrice et vous recevrez son médaillon. J'ai déjà promis celui du prince à un autre de mes fidèles alliés. Votre générosité n'a d'égal que votre sagesse, maître. Votre volonté sera faite. Il a un petit côté Keltas au soleil d'Adrius. Puis-je vous aider ? Vous avez entendu, Sire Denetrius. Aujourd'hui, je vais prendre la place qui me revient au sein de la cour des moissonneurs. Vous avez de la chance de pouvoir assister à mon ascension. Les traîtres ont barricadé le pont qui se dresse devant nous.
Dégagez-moi un passage pour que je puisse le traverser sans encombre. Maintenant que j'ai un médaillon de moissonneur, plus rien ni personne ne pourra m'arrêter. Cependant, je refuse de gaspiller mon pouvoir pour si peu. Dégagez le pont pour le grand chambrelan. Vous recevrez une chevalière qui est moins bien que ce que j'ai. Préparez dit du maître. L'accusatrice doit être mise au fer et je dois prendre le commandement des salles de l'expiation. Nous refusons votre édit, votre usurpation de ma fonction et votre maître corrompu. Votre posture révèle tout l'orgueil qui est le vôtre, accusatrice. Vous n'êtes pas digne de votre titre, ni de vos privilèges, et encore moins de votre pouvoir. Et vous, vous n'êtes pas digne d'exister. Essayez d'entrer dans les salles, et vous en aurez la preuve. Eh ben... C'est l'heure des négociations. Je suis hors de portée. En fait là je bute lui là mais il rentre même pas dans le compte. Parce que... Oh bordel. Alors ça va être chiant si à chaque fois que je... Que mon machin du vide utilise son sort de zone, ça trigger les PNJ.
d'abord choisir une cible. Voilà que les vivants arpentent le royaume des morts. Le monde va mal. Bon, là on est bon. Fermez les salles. Personne n'entre ou ne sort.